qui a couché avec sa mère, il a couché avec sa mère, il a tué son père. Il a approché un peu ce qui s'est passé. Je pense que pas du tout audible. Déjà, je pense que c'est mythologique à la base. Après, c'est une histoire, je me rappelle plus de qui c'est. Ça va revenir, non? Non, tu m'aides pas? Non. Après, il y a un rapport avec, c'est un petit garçon, il y a une histoire. Ah oui, on lui fait une prédiction. Il est exilé par son père parce que blablabla. Il lui dit qu'il va tuer son père et épouser sa mère. C'est au mythe d'Oedipe. Il avait aimé sa mère. Qui avait tué son père et trahi sa mère et elle s'est fendue les yeux. Et puis après, ça devient Antigone, je crois, ou un truc genre. Psychanalyse inconscient virtuel. Merci beaucoup. Bonne question. Non, je suis une fille. C'est plus spécifique aux hommes, ça. Non, je crois que c'est un peu aux histoires de complexes, aux histoires de psychanalyse et toutes ces choses-là. Je pense que c'est du pur pipeau. Vous l'avez ressenti avec votre maman ou... Là, on va s'asseoir. Hein. On est petit, on dit toujours, je vais me marier avec mon papa. On a l'impression que notre père, en fait, c'est super héros. Enfin, ouais, voilà, c'est notre modèle en tout genre. C'est l'homme qu'on aimerait bien épouser plus tard. Mais amoureux de ma mère, non, mais l'admirer, oui. Et en fait, avec le temps, on se rend compte que c'était pas du tout ça. Et... Là, je sais pas, il faudrait demander à Freud. Je pense que c'est le mieux placé. Mais donc, non, je sais pas du tout. Je sais plus, c'est qui l'auteur grec ou... Sauf Freud, d'accord, ok. Pas tellement, je suis pas très doué en peinture, alors là, je suis pas très trop. Désolée. Merci beaucoup. Il y a pas la pièce d'Anouilh? Ah mais si. Ah oui, Antigone. Oedipe Roi, ouais, un film. Ouais. Kubrick, non? Comme ça. C'est qui? Désolé, d'accord. Puis c'est toi. C'est déjà bien.